régime à 2000. Là, je perds son tour. Droite, j'ai 2000. Droite, je perds son tour. Droite, et sauf carbu, je perds son tour également. Là, c'est dans le vert. Les pressions et températures descendent dans le vert. Et moi, sens éteint. Ralentissement tour, stable, pas de détonation. Régime d'attente 1200. Les instruments sont dans le vert, les deux. Et moi, sens éteint. Et c'est moteur terminé. Checklist avant décollage, serrage de frein de parc maintenu. Contact magnéto sur bot. Alternateur sur on, batterie sur on. Alternateur sur on, chargeur batterie dans le vert et ça monte. Réchauffe carburateur poussé et verrouillé. Mélange vers le haut. Transfert carburant poussé. Autonomie, on a 3 heures d'autonomie. 2 heures de 2 heures et demie même. 2 heures d'autonomie plus la demi-heure réglementaire. Horizon artificiel stable cohérent sur les deux. Les altitudes cohérent sur les deux. Pompe à gauche, ça monte. Ça descend. Commande libre compensateur sur non neutre. Ceinture attachée à gauche. Attachée à gauche à droite. Compensateur il est sur neutre. Pompe électrique sur on. Sort un cran de volet. Ok à droite, un cran. Sortie décimétrique. Verrière verrouillé. Éjecteur en place. Pression et température d'huile dans le verre. Témoin essence. Éteint, chargeur batterie c'est bon, briefing décolle, donc je vais décoller, je vais m'aligner sur la piste 32 gauche, ouais. Aligné je dirais 322, je vérifierai la puissance 2200 tours minute minimum, je fais une VPTT, rotation 54 nœuds, montée initiale 70 nœuds, et à 700 pqnh à peu près, je rentre les volets et pop off et je cherche 80 nœuds. On est à 232, on va dire 300 plus 300 pieds, ça fait 600, donc 700 si tu veux. Sécurité. Donc si on grimpe vite, on peut continuer tout droit, d'après ce que disait le pilote, mais sinon on obliquera à gauche de aller 30 degrés à gauche. De toute façon, le but c'est de faire une verticale et de revenir. Ok, première. Ok, après la 30 degrés en plus à gauche après le décollage. À gauche, ouais, c'est ça, voilà. Ok, ça roule. Donc 320, on partira sur du 290. En cas de panneau alarme avant 54 nœuds, je réduis, je freine, je sors par la gauche. En cas de panne mineur, je ferai circuit adapté main gauche pour revenir sur la piste 32 herbes gauche. En cas de panne moteur, je pousse sur le manche pour garder une vitesse de finesse max qui est 76. 78. 78. Atterrissage d'urgence. Ok. On devrait pouvoir ici, on a de la place. Ok. C'est bon pour moi. Le vent, qu'est-ce qu'il dit le vent? Le vent vient de droite, il y a pas mal de vent droite. Qui vient de droite. Ouais. On a du bon 10 nœuds sur la droite alors? Ouais. Ok. Donc en sortie, on va se faire pousser naturellement sur la gauche alors. Ah. Ça tombe bien, c'est dans le bon sens. Ah, attention, il y a un appareil qui est là-bas. Ça se trouve, c'est l'ULM qui revient pour un... Donc il faut qu'on attende qu'il ait touché, qu'il soit reparti. Décollage interdit en cas de double utilisation. Ouais, il en base là. Ouais, c'est ce que je disais ce matin, il en veut. Et il a envie de décoller. Monsieur. Bon, pas ses coordonnées, mais bon. Ah ouais, ok. Youpi. Voilà. Et où? Ah, c'est ce que je me disais aussi. Et où? Planche, ouais, hop, planche. Là. Ouais. On revient gentiment. Ah, on dirait qu'il y a un peu de courant d'air quand même. Hein. Ah. Voilà, c'est ça. Et en plus, c'est un ULM, donc... un peu plus léger quand même l'œil. Hop.
centurion de Fox, Golf novembre, novembre, Lima. Je pénètre 32 gauche et je m'aligne. Ouais, je vois personne non plus. Ah donc mec, ça va, ça tourne. Ah, c'est entre ces deux là. Ouais, t'inquiète, mettre entre les deux plots là. Comme ça tu seras bien au centre là, je pense. Là? Non, non, entre les deux trucs blancs là. T'es sûr? Ah ouais, je pense. Bah regarde, on est bien à gauche là. On a un autre à droite. Pour moi, le centre de la piste, il est entre les deux là. Centurion, Fox Trot, hôtel Yankee Romeo, bonjour. Non, on est au centre. Centurion, Fox Trot, Yankee Romeo, AP2008 en provenance de Melun. Destination, votre terrain actuellement 1400 pieds à 5 minutes. On rappelle en vue d'installation pour une intégration. Comme ça? Ok, ouais. On est centre de la piste, non? Ouais, t'es juste à gauche du centre, mais là, ouais, c'est bon. Ok, ça tombe bien. Centurion aligné sur 32 gauche, je décolle. Ok, il est 12h14. Montée initiale, top départ, pardon. Pas d'inactif, pas d'alarme, instrument dans le vert. Nœuds, rotation. Ah, ça secoue moi. Ça y est, on est parti. Ok, on a franchi le seuil de piste. Allez, tu peux prendre à gauche si tu veux, un peu. 2,90. Attention, Québec Kilo est en vente arrière, 32 mains droite. En montée initiale, 32 gauche, Fox, novembre, Lima. Bon, je rentre les volets. Oui, ils sont et je cherche. Et je cherche 80. Ok, tu peux faire la verticale là, en évitant pour Sorion qui est en face. Ok, plutôt à gauche là. Il y a la patate dans Wallima. Ah. Bon, sur Yon à droite. Bon, sur Yon de novembre Lima, je repasse à la verticale 1700 pieds pour prise de cap vers l'Angers. Tu dis vers qui? Angers à. Joigny. Vers Joigny, novembre Lima, correction. Québec Kilo final, 32 droite. Centurion, Yankee Romeo, on navigue sur l'installation, à sa portée verticale d'installation, 1600 pieds. Pas de visuel. Pas de visuel, vertical terrain, 1700 pieds, novembre Lima. Pardon, votre position. Ouais, on est à 1 minute 50. Ok, ils sont derrière. Oh. Ok, merci, novembre Lima, DR400, vertical 1800 pieds, et on prendra un cap Berjoin. 144. Il prend l'axe de l'autoroute en fait. Par là, avant 144. Centurion de Fox Golf Oscar Victor Echo au parking. Je me rends au point d'attente en 32. Pardon, je t'ai dit une connerie, c'est 104. 104. Un DR400, donc deux personnes à bord pour un vol local. J'assure le bled et là, non, on va aller là-bas. 104, donc plutôt à gauche, on suit l'autoroute si on veut suivre vraiment ce que j'ai écrit sur la carte. 144, ça me paraissait un peu gros aussi. Bon, moi, là, selon le GPS, c'est par là, j'en ai. Oui, tout à fait, mais c'est normal. Mais là, on passe vertical, tu passes vertical de sens hein, si tu suis le GPS. Hein. Ok. Là, ce que je te propose, c'est ça pour éviter sens, justement, tu regardes, qui est juste là. Ok. Le sens, elle est quand même étendue, tu vois. On va aller loin, on en a pour 2 minutes à peu près, je vais te dire ça en regardant bien.
Voilà. Ok, on est vertical de la jonction autoroute. Quand tu vois l'espèce de truc là-bas, je pense qu'on sera bon pour virer à droite. Ouais, c'est ça. Là-bas, il y a un échangeur, il y a une route. En gros, là, tu prendras un 177. On sur Yann du Foxtrot Yankee Romeo, vertical d'installation 1500 pieds. On va se reporter en vente arrière pour la 32 gauche. Ponte-Orient de novembre Lima, 1800 pieds, on sort de, on quitte le pied, on quitte la fréquence, et bon, voilà tout, au revoir. Ouais, s'il te plaît. C'est une info de Fox Golf, novembre Lima, bonjour. Novembre Lima, bonjour, je vous rappelle. Donc là, ouais, ça reste bien à gauche, là. Reste bien sur l'autoroute. Novembre Golf Juliette montée niveau 100. Niveau 100 de Juliette. Novembre Lima, j'écoute avec tous les éléments. Fox Golf novembre Lima, un DR400, deux personnes à bord. Je viens de décoller de Ponte-Orion à destination de Logne. On va faire la verticale de Joigny. Et pour information de vol, s'il vous plaît. Novembre Lima, donc la verticale de Nangy, correct? La verticale de Joigny. Golf Kilo. Reçu, et vous avez décollé de Pont-sur-Yon pour Logne. Ah oui, effectivement, je confirme, novembre. 177. Reçu, novembre Lima. Donc c'est un point tournant, donc à Joigny, correct? Correct, novembre Lima. Lima identifié et contacté dès maintenant par info sur 126 unités. Au revoir. 126 unités, novembre Lima, merci. Bonjour, je vous écoute. 177. Voilà, c'est bien. 7000 Lessen, 118-05. 7000 Lessen, bonne journée Alfa Romeo. Également, au revoir. Au revoir. Paris Info de Fox Golf, novembre Lima, bonjour. Novembre Lima, Paris, bonjour. Fox Golf, novembre Lima, ENR402 personnes à bord, en provenance de Ponte-Orion à destination de Logne. Avec un point tournant sur la verticale de Nangis, actuellement à 1700 pieds, pour information de vol, s'il vous plaît. Joigny. Affiché 70-11. 70-11, et correction par la verticale de Joigny, novembre Lima. Un point tournant. Ok, mets-toi un tout petit peu à gauche, sinon on va passer à peu près sur le village. Ok, on a la route et on a de la ligne gauche. Novembre Lima, identifié à l'heure. Merci Novembre Lima, merci madame. Voilà. Très bien, on est pile poil où il faut. Parfait Johan. Bon, prends problème de ville. Ok, là tu peux taper 177. Et en temps vertical, Joigny qui doit être là-bas. Pardon, 860. Donc je vais aller chercher mon trajet GPS. Ouais, là maintenant tu pourrais prendre ta trajectoire GPS. Ah, là on vient de passer ici. Non, le 1, c'est info de Zulu Uniforme, j'aimerais passer avec l'aérodrome de Chien, s'il vous plaît. Reçu, affiché 7000, vous pouvez quitter ma fréquence, au revoir. 7000 et je quitte, à tout à l'heure, au revoir. À tout à l'heure. Préparé information, Golf Oscar, bonjour. À combien la tour de piste à Joigny? Joigny, c'était... Station à plan, bonjour. Oui, bonjour madame, on est à 400, Fox, Golf, Romeo, Québec. Deux personnes à bord en provenance de Logne à destination de Reims-Prunet. On vient d'être libéré par Logne. On a actuellement 1130 TQNH 1024. Reçu 70-12. On peut dire ça déjà. 70-12, Romeo, Québec. D'accord. Et du part à Reims-Prunet aujourd'hui. On va s'installer sur la nef Pénard. Là, c'est Joigny, là.
Ah non, non, c'est peut-être un peu tôt, oui. Alors, Joigny, il y avait 9 minutes, 10 minutes, là. C'est un peu tôt, ouais. Donc, 14. Ah, non, pas longtemps. En 3 minutes 30. Donc ça c'est Villeneuve sur machin. Villeneuve sur Yonne. Et pour les altitudes Sierra Echo Paris. Sierra Echo, j'écoute ça. 7000 Seine Info 118.05. 118.05 Seine Info, merci pour votre aide. Paris, Fox Retour Uniforme pour passer avec Avalon. Reçu, 7000 pour quitter, au revoir. 7000 de quitte, au revoir. Avec Uniforme. Ok, là t'es pile dessus là. Bon, ben là je vois pas parce que j'ai le reflet pile dessus. Ça doit être ça le truc à... On a des c'est pas ce truc là entre les... non. Non, non, on le verra pas, il est dans la forêt. Il est dans une forêt. Hein. Fucking CFR, Uncle Lil 120.25. Mike. That's correct, au revoir. On a la scène à Lyon qui fait un virage comme ça là. C'est bizarre, ça devrait être bleu mais ça l'est plus. Oups. On a un autre patelin qui est un peu en longueur, donc on arrive ici, on doit être à 2 minutes, hein. Ouais. Donc c'est quelque part dans la brousse, là. Tu vois, là, j'irais quelque part juste en face, dans l'ombre, là, en fait. Ouais. Et derrière, après, ça commence à descendre vers Joigny, qui est le patelin, là-bas. Et l'attitude de sécurité c'était 1700, donc on est bon. Bon, je sais pas si tu utilises le bouton Terra, étant les couleurs. Ah oui. Non, j'ai jamais fait ça. Là, regarde le terrain, il est à gauche là-bas. On voit la baraque. Ouais, ouais, je vois. Donc la route suivante que tu feras prendre, ça sera à 298 vers l'Archamp, pardon. Mais nous, on ira plutôt vers la gauche. Donc on est 200 pieds sous le vertical. Pas d'appareil en visuel. Un qui est au sol, il n'a pas l'air de vouloir bouger. À droite. Et en face. Gaffe, c'est vite, faut pas survoler là. Ok, c'est un tour de piste à gauche là-bas, donc on reste hors secteur. Bonjour. Station par Paris, bonjour. Fox Golf, Bravo Victor Hotel, BR400, 8 personnes à bord en provenance de Châteauneuf-sur-Cher, destination
destination de Saint-Denis actuellement. Il est 28. J'ai pas compris la dernière, l'avant-dernière lettre de votre IMAP. Fox Golf Bravo Victor Hotel. Reçu 70-10 au transpondeur. 70-10 au transpondeur. Belle piste. C'est pas loin de la ville. Bon, apparemment, il y a un bon restaurant en ville de Joigny, donc parfois il y a des gens qui vont. Bon, alors, à partir de maintenant, là où ça devient intéressant, tu peux prendre un 289. Donc un peu plus à droite là. Victor Hotel, identifié radar. Où est-ce qu'il est, mon truc? Hop, on se remet dans le bon sens. Donc là, il faut passer à gauche de Joupana. Non, d'accord, ok. Bon. À gauche ou à droite? Moi j'aurais dit à gauche là par rapport à ce que je vois sur la carte. Voilà. T'as qu'à viser l'espèce de belien, enfin le truc que ça fait là, tu passeras bien à gauche. Paris Info, du Foxtrot Golf, c'est Zoulou Juliette, bonjour. C'est Zoulou Juliette qui appelle Paris? Affirme, Foxtrot Golf, c'est Zoulou Juliette. Bonjour, votre provenance et destination? Bonjour, alors Fox Fox Golf Sierra Juliet, RTB 20, là, provenance de Mobile, destination de Reims. On est 1500 pieds à 30 nautiques de Reims et on vient de perdre le contact avec l'île. Reçu, donc on les appelle pour leur dire. 70-21 en transpondeur. 70-21 en transpondeur, Juliet, et merci beaucoup. Et du para à Reims aujourd'hui? Reçu pour Zulu Juliette, parfait. D'accord, c'est bien, voilà. Une fois que tu l'as passé, tu reprends ton 290. Hein. Voilà. Et là, on devrait se mettre sur l'axe. Kilo Delta Paris. Fox Golf Lima, Kilo Delta Paris. Kilo Delta, si vous me recevez, essayez de m'appeler sur 129-625, s'il vous plaît. Kilo Delta, je suis sur 119. Et vous me recevez? Vous me recevez, Paris? Oui, je vous reçois à 3 sur 5. Ah, donc, on est en direction du bord de la Seine, on est à 2200 pieds. Reçu. Fox X-ray Oscar, Paris? Oui, Fox X-ray Oscar. Oui, dans 3 minutes, 1500 pieds max. Reçu, Fox Oscar, c'était prévu. Merci. Et 1023, le QNH. De toute façon, on peut aller sur la gauche, droite, bordée par l'autoroute, hein, celle qui nous donnera l'axe après. Tu vois les grands bâtiments là-bas? Oui. Bon, on va passer juste à droite de ces bâtiments en fait. Donc là, tu restes comme ça tout droit. On remet au Québec, Paris? Ben, on remet au Québec, du coup. Parce qu'au niveau de l'autoroute, non, c'était pour vous dire que les grands hangars et tous les fiches, je vous l'ai dit. Quand tu viens de Lodz, c'est un super point d'ouvert. Donc, Paris Info, bonjour, demande 395 écho uniforme. Donc on avait dit qu'on pouvait descendre 1500. Écho uniforme, Paris, rebonjour. Rebonjour, 395 écho uniforme, le Beach 36, 5 personnes à bord cette fois, décollé de Bourges à destination de Lyon-Bronze. On est à 2700 pieds en montée vers le niveau, 575. Pour l'instant, 4 au sud pour éviter la zone P2 à bord. Il y a 800, c'est 70-17. 70-17 écho uniforme. Paris Info de Fox Novembre Lima, on descend 1500 pieds. Reçu à votre convenance en assurant votre séparation. Merci. Paris Info de Zulu Juliette pour info, vous avez connaissance de la puissance service, hein? Je peux les appeler si vous voulez. C'est très gentil, merci. Ok, on a 2 minutes. Tu vois là, t'as des espèces de bâtiments là qui sont quelque part en face, là. Juste en face de nous à droite. Bon, ben toi tu restes sur cet axe-là, ils ont quelque part. Éco-uniforme, identifié radar. Reçu, éco-uniforme, merci. Promet au Québec, la 07 à Reims. Merci beaucoup pour Zulu Juliette. Paris, Fox, Hôtel, Oscar, Oscar, Sierra, bonjour.
Oscar Sierra Paris, bonjour. Technap T2008, une personne à bord, départ Logne, destination Reims. Je viens de quitter Logne et j'ai 7000 profondeurs et je suis à 1400 PQNH 1023. Je reste à 1600. Ouais, 1600, c'est bien. Oscar Sierra, 70 unité 6. 70 unité 6, Fox. Ça c'est un avis. Et du para à Reims aujourd'hui. Reçu, je vais les voir. À la droite de la trajectoire. Aïe info de Fox Tango Zulu Uniforme, bonjour. Oh, pardon? On est un poil à droite de la trajectoire. Zulu Uniforme Paris, bonjour. Ouais. Fox Tango Zulu Uniforme, alerte 400, de provenance de Chartres, direction Dreux, Paris, retour Saint-Pierre. Zulu Uniforme 7001. 7001, Zulu Uniforme. Paris de Fox, Victor Alpha, bonjour. Je vous rappelle Victor Alpha. Ok. Oscar Sierra, identifié radar. Oscar Sierra, je monte à 2005. La convenance en marche sur Oscar Sierra. Je sais pas, mais c'est parti. Non, là, à droite, là. C'est des maisons. Ok, reste tout droit, là, c'est bon. Après, je vais sur cette route-là, ouais. Il est dans le forêt. Ils sont en dessous, là, à droite. Zulu uniforme, identifié radar. Si tu veux, tu fais un 360. Victor Alpha, bonjour, allez-y. Voilà. Paris de Fox Golf Alpha, Victor Alpha, BR 400 et personne à bord en provenance de Moray en destination de Ville de Romorantin. Actuellement 2500 pieds guionnais. Redonnez le nombre de personnes à bord. Une personne à bord. Affiché 70 unité 3. 70 unité 3. Là, ça c'est de l'exercice de manière en prix. Rien pour Fox Hotel Delta Bravo Zulu. Ça c'est le village. Allez-y. Rien pour Bravo Zulu. Oui, je vous écoute, Bravo Zulu. Zulu, à Technam, j'ai quitté la fréquence de Bourgogne-Pontoise pour venir chez vous. Vous donnez la destination? Ça sera à Deauville. Voilà. Et je suis à 2005 QNH. Bravo Zulu, 70-07. Je vois toujours personne. Bravo Zulu, transpondeur 70-07. Vire à droite, ça passe bien à gauche, bien à droite des regards. Reçu X-ray Oscar 7000 et je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Merci à vous, au revoir. Victor Alpha Paris. Victor Alpha. Vérifiez le transpondeur 70 unité 3. Pardon, 70 unité 3. Victor Hotel Paris. 7000 Seine 118-05, bonne journée. Papa Victor Paris. Ok, bah je crois que les voix ils sont là dans le jardin alors, ouais, c'est ça. Fox Golf Novembre, Papa Victor. Ouais, il me semble. Papa Victor, t'écoute. 7000 et Rennes Info 126-95. C'est pas évident. Ça va Victor, merci. 7000 ouais, Rennes Info 126-95. Okay, bonne nickel. Journée, au revoir. Ok, donc on reste bordé sur Alpha, la route. Victor Alpha, radar. Donc on reprend la nave, il est 37. Paris de Victor Alpha, merci. Fox donc, Bravo si Zulu, identifié radar. On va venir sur le lac Saint. Bravo Zulu. Ah, il a dit beau 360. Très bien joué, Yann. Ouais. Ok. Pose tout ça et on reprend la table. Ah, je vais faire le tour repas, ouais. Ok, donc là tu peux reprendre le trait. Voilà. Ah. Ah, t'es un peu secoué quand même. Hein. Ah. Par contre, il n'y a pas beaucoup de vent, 5 et 5, donc on a 5 ouais. Par là et ouais. Bah, ça bouge pas mal. Hein. Alors... Ça ne fait pas des réactions comme moi quand ça bouge. Comment j'arrive?
Alors, donc on reste bien à droite. Alors, soit tu restes bien à gauche de l'autoroute pour éviter Aigreville, ce qui est possible, hein. De toute façon, ouais, bah reste sur la gauche, là, tu sais pas, tu te mets sur la gauche. Et de toute façon, quand on verra l'intersection de l'autoroute, on reprendra le cap. Puis on est sûr de passer à côté de la ville. Sinon, oui, tu vas faire ça, et puis après ça, pour revenir. Alors. Et à quel moment on sera limité à 1500 ? Oh, beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Donc là, tu vois, l'altitude de sécurité, c'est 1600 pieds. Donc on est à l'altitude de sécurité. Ah. Je te lis ça, ou plus toujours pas ? Ouais, maintenant tu peux. C'est ça, hein ? Ouais, je tire ? Tu tires. Voilà. Nickel, Johan, merci. Merci à toi pour cette belle navigation. Ah bah écoute, ouais. Donc, maintenant le jeu commence. Enfin, il se continue. Roméo Sierra, vous êtes toujours sur la fréquence ? Donc on est sur du 300, c'est nickel. Donc à un moment donné, tu vas voir la jonction entre cette autoroute-là et une autre qui part. Donc à ce moment-là, tu reprends le 298 initial. Et ça nous amènera dans les 3 minutes. Novembre Lima, Paris. Novembre Lima, je vous écoute. 7000 et Saint-Info, 118-05, bonne journée. 118-05 avec 7000, merci madame, bonne journée. Fox, Juliette Zulu. 7000 transpondeur, 126 unités, merci, au revoir. Fox, Roméo, Roméo. Voilà, ça c'est Grenny, machin, c'est le patelin qu'il faut éviter, non. C'est un saut largeur, excellent, bonjour, on monte vers le niveau 100, à Montargis. Ouais, mais toi bien à gauche, ça c'est la ville qu'il faut éviter, ça. Rappelez avant de larguer à Montargis, vous montez au niveau 100, confirmez. Et confirme pour le niveau 100, et rappelez avant de larguer, largeur excellent. C'est toi qui tire au tel rebonjour. Sur un plan, je reçois 1 sur 5, confirmez les éléments. Gueule rouge de Rotel, un VR-400, une personne à bord, en provenance de sur Cher, destination Saint-Denis, à 3 minutes du tunnage, 7000 au transfert. Facteur Bravo, Victor Hotel, qui appelle la radio, est toujours aussi mauvaise, 1 sur 5, confirmez, c'est bien le Fox Victor Hotel. Fox Victor Hotel, c'est bien. Moi, je vais vérifier la radio. Et est-ce que vous êtes sous 30 volts ? Négatif. Voilà, reçu Victor Hotel. Pour information du parachutage à Orléans, Saint-Denis. Rappel en vue des installations. Rappel en vue des installations. Une info de Foxtrot novembre, Lima, bonjour. Foxtrot novembre, Lima, Saint, bonjour. Bonjour monsieur, le Foxtrot novembre, Lima, EDR400 en provenance de Joigny, à destination de Logne, actuellement à 1800 pieds. Pour information de vol, s'il vous plaît. Novembre Lima, identifié 34-0 en contrôle. 33-4-0-1, novembre Lima. Et je confirme, novembre Lima, 34-3-4-0 unité. 3-4-0 unité, novembre Lima. Voilà, ça c'est Aigreny. Donc on est à 2 minutes de la jonction des autoroutes. Aigreville, pardon. Voilà. Aigreville par le travers. Et on est du bon côté. Donc jonction. Après on pourra se mettre 1500. Fox Golf Bravo Victor Hotel, donc confirmé, là-bas, c'est vous avez affiché 34. Okay. Ouais. Donc nous on va aller quelque part à gauche de Nemours. Okay. Donc en gros notre point de visuée, si notre cible a priori, ça serait l'espèce de truc qu'on voit au milieu de la forêt là-bas. T'as un petit patelin là et puis derrière t'as un espèce de truc isolé. À mon avis c'est là qu'on va. Ok. Gokilo, Québec Novembre, pensez à bien visiter ouais, la centrale, la zone Papa 34.
Directement, bien pris, on va faire ce qu'il faut pour éviter. Alfred, bonjour, Fox Sierra Lima. Sierra Lima, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est un Cirrus 20, Fox Hotel, Alfred Sierra Lima. Chez 4 nous. Personnes à bord. Oui. Chez nous, le Sierra Lima. Destination oubliée, ah, oui. On vient de quitter cette aire de Melun via Sierra Mike. Oui, on fait route sur Ocasi et on est à 1500. On souhaiterait monter 3000 pieds. Fox Hotel, Alfred Sierra Lima, fiché 3402. 3402, Fox Sierra Lima. C'est pas Daniel même. Peut-être bien, ouais. Ah, c'est Daniel, je remonte. Alors, on a 3 minutes de Nemours et à 5 minutes du point de l'Archamp. En 49. Voilà, regarde, ça y est, on a la jonction. Donc, tu fais une belle verticale, il y a un bout de 9-8. Tu tombes pile dessus. Seine, Fox, Sierra Lima. Sierra Lima qui appelle ? Merci, Irma. Oui, j'écoute, Sierra Lima. Oui, on souhaiterait monter 3000 pieds QNH. Et pour info, c'est un vol BIA, donc on serait susceptible de faire quelques évolutions durant le trafic sur Obiki. Reçu un espace non contrôlé, restez vigilant. Et pour information, un trafic visualisé au niveau de Moret sans contact radio. Et reçu, Fox Sierra Lima. On va monter 3000 pieds et on va surveiller le trafic qu'on n'a pas en vue pour le moment. Reçu le QNH 1022, Sierra Lima. 1022, le QNH, Sierra Lima, merci. Seine, Alfa Romeo sur 133. 134.3, merci Alfa Romeo, toujours identifié, rappelé en vue de l'air de poser. Ouais, ensuite on va passer avec Orly puisqu'on va sur Rulido pour transit Juvisy. On va passer avec Orly demain. Bien, avec Orly, c'est Alpha Romeo, transpondeur 7000, écoutez, au revoir. Oui, 7000, bonne journée Alpha Romeo. Donc là tu descends gentiment 1500, c'est ça? Ah, ok. Ok, debout, c'est bien. On est 2 minutes. Le trafic visualisé travers gauche au nord juste de terrain de Moret. Et reçu, ensuite, Pierre, une fois qu'on sera pour le moment, dans le point, je te dirai, ça sera 316 sur 5 minutes. À mon avis, c'est quelque part par là qu'on va. Fais gaffe, on revient sur Nemours, là, on pousse à gauche. Mets-toi plutôt par là. Ouais, plutôt là-bas. Là-bas, je n'ai pas ce genre. Ah d'accord, ok. Tu vois l'espèce de clairière que ça fait là-bas? Ouais. Bah, c'est là qu'on va. Fox Québec Novembre, transpondeur 7000, Paris Info 126 unités, au revoir. 126 unités, transpondeur 7000 pour Paris Info. Je vous remercie pour le service, au revoir, Québec Novembre. Ok, on vient de passer vertical de la ligne de chemin de fer. Il y a un château là-dessous. Fox Golf novembre Lima sur 134.3. 134.3 novembre Lima, merci. Transféré. C'est une info de Fox Golf novembre Lima, bonjour. Bonjour novembre Lima. Vous poursuivez directement sur Lone Sur Lone par le point Bravo et novembre dans le CTR de Malin. Donc la CTR est désactivée, si vous passez dans les zones de Melun, au niveau de l'aérodrome, ce sera 121.10 en auto-info. Merci pour l'information, je reste avec vous pour le moment, pendant quelques minutes. Firme, novembre Lima. Ok, merci, je reste avec vous. Ok. Donc à droite, ok, ça c'est l'Archamp, tu vois, c'est ça l'autre point là. Ah. Donc ensuite, la route suivante c'est 316. Quand on a dépassé le truc là, tu te mets à gauche et 316. Et derrière là-bas c'est mis la forêt plutôt un peu plus loin là-bas. Ah vas-y continue. On est trop proche. Donc là on a un site d'escalade réputé quelque part en dessous là. Ouais. Et derrière à droite là-bas, un peu plus par là-bas, c'est la forêt de Fontainebleau.
Oups. Oups. Hop là. Hop là. Hop là. Absolument rien qui garantit. C'est un point du largage. Il faut normalement moins 5 minutes du largage niveau 3 en montage. C'est que je serai devant 3 de trafic connu sur la fréquence. Rappelez fin de largage. Là, je rentre dans 1500 max. Je rappellerai 1500 max. Tu peux rester à 1500 max. Non, non, on en est loin du 1500 max. Okay. Oh là là, on en est très loin. Quel est le hôtel ? On est encore à 3000. Hôtel en vision céleste. Ok, 316 là. En passant à gauche de la ville. Cité Victor Hôtel en surveillant éventuellement l'activité para. J'ai pas le largeur en fréquence actuellement. Et Saint-Denis, 122-4, transfondeur 7000, au revoir. Réunion, l'impact qui débarrasse. Alors, hélicoptère Sierra Echo, on va passer 134-3 parce que l'émission est difficile. Reçu Sierra Echo, tout de suite sur 134-3. Sierra Echo sur la fréquence. Sur ça, 5 Sierra Echo. Alors, donc ça c'est la chapelle d'Arène. On a une route, ok, en Y, c'est ça, et il y a une voie de chemin de fer en prime. Bon voilà, ok, donc c'est bien la chapelle d'Arène. Le temps de le poser, tu sais, ça revient. Fox Hotel Pass, Sierra Lima, pour information, activité para à Montargis. Reçu, Fox Hotel Lima, on va passer au nord de Montargis. Et pour info, on fait un 360 pour l'entraînement des élèves. Reçu. Ben, c'est ça, tu restes en fait sur les champs. Parce que si tu vas trop dedans, tu vas être sur la forêt de Fontainebleau et là on va être overshooté. Oui. On arrivera trop dessus. Reste à gauche. Ouais, reste à gauche, bien sur les champs. Voilà, à droite c'est la forêt de Fontainebleau. C'est ce que je disais, tu poses, tu reprends, tu poses. Ok. A priori, il y aurait les sables du cul de chien là peut-être, et encore c'est même pas sûr. Donc là le patelin c'est Noisy-sur-École. Voilà la grande ville là, c'est là où on va aller faire le prochain point tournant, Milly-la-Forêt. Donc à la rigueur, à partir de Milly-la-Forêt, si tu veux, tu peux te mettre en configuration 82 pour pas aller comme une bombe sur le château. Voilà, Fontainebleau. Saint-Info, Fox, Hôtel Echo, Charlie, Charlie, bonjour. Ok, les sables du cul de chien, ça s'appelle là. Hôtel Echo, Charlie, deux fois, bonjour. Là, c'est très caractéristique. Fox, Charlie, Charlie, bonjour, Cessna 172, 3 personnes à bord, provenance Saint-Cyr-l'École, à destination de LFJC, on est 2000 pieds, QNH 1022 pour information. Donc voilà, tu vas aller là-bas comme ça et tu vas enrouler sur la droite. Et le château, il est quelque part à droite, ça va être la petite ville suivante, quelque part sur la droite, plus ou moins dans l'endroit. 3401 au transpondeur, Charlie, deux fois. À l'info de Fox, René Victor, bonjour. Fox, René Victor, bonjour. Ah, c'est à l'info de Fox, Golf, René Victor, provenant des amis, pour un retour vers Logne, stable à 4500 pieds QNH. Fox, Cindy, Romeo Victor, il notifie les transpondeurs 34-0 unités. 34-0 unité, Fox René Victor, je vais un peu la vitesse. Ouais, s'il te plaît. Merci. Ouais, ça donnera un petit peu le temps de respirer. Donc, et ensuite pour courant, quand on aura un machin, quand je te dirai un top, tu seras du 0-0-5. Donc, on va passer à gauche là, tu continues comme ça.
et en 005. Et on va passer au-dessus du village, hein, tout ça. Donc là on reste au-dessus de la forêt, c'est bien, on aura le temps de le voir venir. Après on va enrouler certainement très tranquillement, très largement, à peinard. Voilà, là il y a un rond-point. En 5 secondes tu peux faire un 005. D'accord. Ok, je vois la route au sol qui nous mène là-bas. Très bien, vas-y, 005. Tu passes au-dessus des grands hangars que ça fait, tu gardes la ville à ta gauche. Voilà, parfait. Une fois que tu es sur les hangars, tu iras sur ta gauche. L'engagement effectué en descente à droite. Moi, je le chercherai à droite. Ouais, c'est un plan confirmé, mais c'est brouillé. Un peu d'amplitude. Oui, c'est un info, c'est largeur extrêmement. Langage effectué en descente à portage. Voici le train avant moi tout à l'heure. À tout à l'heure. À l'autre fois, je m'étais mis la pompe un cran. Ah, c'est de force que j'ai changé la pompe. Oui, quand j'ai fait Landy, là, j'étais peinard comme ça. Permettez de pas trop avoir. Il y a bonjour, c'est quoi? Ouais, le Fox c'est comme j'ai sur l'India, c'est 552, deux personnes à bord, provenance de Pic, destination Moray, on est à 2200 pieds QNH. Ok, tu vas à gauche, t'enroules la ville là. Le château il est quelque part en dessous. Et moi je le cherche. 3404 affiché, Fox Charles India. C'est courant, c'est là en dessous. Charles India, rappelé en vue de Moray. Là. Fox Charles India. Personne dans les environs immédiats. Ah là, le château il est quelque part en dessous. Alors où? Là c'est la bonne question. Ok, visuel sur le château. Donc c'est bon, tu vas juste à gauche sans passer au-dessus du village, on est vertical du château dans 5 secondes. Très bien, voilà, ok c'est bon, tu peux rester là. C'est bon, comme ça tu vas pouvoir le voir, il est à droite. Ah, ça y est, visuel. Parfait. Objectif atteint, Yoann. T'as vu? Regarde. Ah, un joli étang là. Et en plus il est bien éclairé, c'est formidable. Mission accomplie, Yoann. Voilà. Tu suis la route, ça évite qu'on passe au-dessus du patelin. Donc soit t'as envie de faire un 360, tu le fais, sinon on reprend vers Bravo. Bravo, direct. Voilà, c'est ça. Super bien joué. Donc là, pas moins de 1500 et pas plus de 1500. Est-ce qu'on va s'approcher là de... Voilà, tu regardes, à gauche là, l'antenne dont je te parlais. Donc là, Bravo est pas loin. 1500 max. Ok, donc là on est sur la partie 2500. On passe l'antenne, dans 2 minutes, on est à 1500. Nickel. On n'est pas encore dedans? Non. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon, nickel. Donc, quand j'aurai repéré l'autoroute, je te le dirai. De toute façon, c'est elle qui nous amène sur Bravo. Ouais. Là, t'es sur quel cap, là? 010. 010, ouais, ça me paraît bien. Ah, alors là c'est un autre endroit où on va balader régulièrement. Île de Chancueil. Donc Sierra Lima, le trafic Cessna 206, ça vaut une heure gauche-droite. Ok, l'autoroute est là. Possiblement même niveau en descente. Bravo, en face. On a visuel, Sierra Lima, je pense que c'est le largeur 1. Affirme.
Et largeur pareil, fin novembre, pour la formation à trafic qui est juste derrière vous, qui a visuel légèrement plus haut. Ok, au Verneau. Bien pris l'information trafic, pas de visuel, largage centre, mais rejoint la vente arrière à Montvarnet. On fait pas de souci. Fin info de Fox Québec Uniforme, bonjour. Fox Québec Uniforme, bonjour. C'est une info de Fox, Golf Golf Québec Uniforme, un DR400 avec deux personnes à bord en provenance de Logne. On aimerait monter à 3500 pieds QNH en direction du bord de Bray pour une intégration à 3 et on est en montée initiale vers 3500 pieds. Québec Uniforme, destination finale, c'est 3. Affirme, destination finale 3 pour détour de piste et on rentrera sur Logne après. Merci, Québec Uniforme, affiché 3405. 3405 au transpondeur, Fox Québec Uniforme. C'est une info de Fox Novembre Lima pour vous cliquer s'il vous plaît. Tu es surveillé d'éventuels modèles réduits en évolution au travers du point Bravo Novembre Lima. C'est la fréquence 7000, au revoir. Merci, au revoir Novembre Lima, merci. C'est un hélicoptère Sirayco. Hélicoptère Sirayco pour quitter. Pour quitter monsieur, on est à... Alors. Bon, surveille. Melun de Fox Golf Novembre Lima, bonjour. Melun de Fox Golf Novembre Lima, DR400 en provenance de Joigny à destination de Logne, actuellement 1500 pieds point Bravo, pour transiter le CTR par Novembre à 1500 pieds à destination de point Eco. 340. À droite. À droite, ouais. 340. Là, on va en plafonner la ligne, donc maintenant. Maintenant. C'est pas 340, ça. Ouais, effectivement, mais de toute façon, sinon on va sur... Ah merde, où est-ce que je t'envoie, là? Non, c'est bien, on va vers novembre, mais... On va vers novembre, d'accord. Ah bah alors, c'est moi qui sais pas lire ma carte. Ah pardon, 53, ouais. J'ai un cran de retard, désolé. 340, c'était le précédent. Hein? Voilà. Alors, on sait quelque part, il y a la prison, là-bas. On peut préparer la fréquence 125.05.02. 125.02. 125.02. On va faire juste monitoring, s'il te plaît. Ok. 300 degrees on 080 degrees. Visibility of the 5 km, temperature 7. Québec Number Hotel 1023, sunset at 1837 UTC. Cancel contact, please confirm. Information Foxtrot received, thank you. Bonjour à tous, ici l'information Foxtrot enregistrée à 10h25 UTC, puissance service 08. Attention, risque aviaire. Vent 0,20 degrés, 7 nœuds, variant du 330 au 0,80, visibilité supérieure à 5 km, température 7, Québec Nord Bretagne 1023, heure du coucher du soleil 18h37 UTC. Ok. Au premier contact, confirmé information, Fox Trot reçu. Manque l'information Fox. Yes, et ça sera la 08. Hein? Bon, ben là je te laisse naviguer parce que je connais pas par ici. C'est la première fois que je le fais justement. Mais je crois reconnaître, ouais. La prison elle est quelque part à droite en principe. Ah oui, c'est ça, elle est là-bas. Elle est juste devant nous. Ah non, elle est là-bas à droite. Non, elle est non. Non, ça c'est la zone. Non, c'est bon, tu peux y aller. En fait, ça, quand on passe de l'autre côté, là, on prend comme ça, à gauche et à droite. Tu vises les grands bâtiments là-bas. La prison, j'ai un visuel, elle est à droite là-bas. C'est sûr. Ah oui, oui, bah regarde. On la voit bien. Là, c'est pas une prison, c'est une grande surface. Ok. Justement, quand on vient, habituellement, j'évite de passer à gauche là-bas et je viens par ici. Et là, c'est exactement le chemin inverse, tu vois. Ah. Donc tu vises les... En fait, tu vises les grands bâtiments en face. Ah. Ah là, prison. Oups. Bon, alors, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, c'est que si tu veux te poser sur le toit, c'est le merdier. Il y a peut-être de la place, mais c'est le merdier. Ah bah, tu m'étonnes. Par contre, il y a des grands champs. Enfin, des grands champs. Quand t'es au sol, ils sont grands.
pas de trafic en vue. Bon, on est où la piscine, c'est Cosmerdier, Melun, voilà. La prison, elle est passée. Bon, on est de l'autre côté maintenant. Ah, je pousse. Ouais. Ah bah ça y est, la visée, dis donc. Ah, visuel sur la piste de Melun là-bas. Ah, ok. Donc c'est bon là, tu vas pas. Bientôt tu vas pouvoir virer. Elle. Bon, excellent ça. Excellent ça. Bon alors c'est quoi le grand bled qui est devant nous là? Que je fasse connaissance un peu, j'en profite. Melun, Croissy, Cramayel, Lieu Saint. Il y a l'autoroute. Donc là c'est toi qui me fais découvrir. Bonsoir, là le 2 novembre à Bravo, je suis passé une seule fois. Je pense qu'on était en sortie club, c'est tout. Ah oui, je connais pas plus que ça. Tu veux dire de Bravo à novembre? De Bravo à novembre, oui, dans Ougoun, hein, novembre Bravo. Dans les deux sens, souvent je sors par Sierra Mike. D'accord. Bon, ben ouais, c'est ça, voilà, on est à 3 minutes de novembre, voilà. Ah, 3 minutes de novembre. Ça, c'est bon, ça. Ça, je les ai jamais vu. Ouais. Donc tu vois, moi j'ai mis la carte hygiène en dessous. Ouais. Bon, ben il y a peut-être bien moi c'est Cramoyel là-dessous. Hein. Là, tu vois, la visée, le plafond là-bas, c'est ah, ouais. Un petit peu berque là. Ouais, heureusement, on est revenu. Bon, alors attends, je dis, c'est peut-être moi c'est Cramoyel, mais je viens de dire que j'ai la carte. Alors à gauche c'est Brie-Comte-Robert là. C'est Évry-Grigny-sur-Rien. T'es sûr qu'il veut. Non, moi je pas trop à gauche, je vais plutôt à droite là. Parce que par là-bas t'as Paris. Hein. Fox, bravo, X-ray Québec Tango, Cessna 152 personnes à l'aéroclub, au parking de l'aéroclub. On est à gauche de la trajectoire. En direction de la Nice au point d'attente Whisky. Bah, c'est beaucoup mieux ça. Voilà. Ah bien. Voilà. Tu peux continuer tout droit, on va réintercepter. Hein. Je te dirai, bah voilà, tu me diras en l'eau alors. Voilà. Voilà. Et on était pas loin, hein. Brie-Comte-Robert. Si tu passes à gauche de Brie-Comte-Robert, tu taquines Paris. Hein. Alors là, c'est des appareils, je risque pas de les voir. Brie-Comte-Robert, à une époque, c'était une chanson. Pas une chanson, une parodie. Ah, Château, pardon. Et sur la carte. Tiens, novembre est là. Ok, visuel sur. Melun de Fox Golf, novembre Lima, 1500 pieds, point novembre. On quitte la fréquence, on dérive vers point écho. Vérifie qu'il n'y ait personne qui s'approche aussi. Non. De la gauche non plus. Ok, on passe en fréquence. Fox Victor Sango, transpondeur 7000, quitte à tout à l'heure. Transpondeur 7000 pour quitter à tout à l'heure, Fox Victor Sango. En 22-12 préaffiché. Ok. Car Charlie, piste 0 dur, autorisé décollage en 0,30 degrés 5 mètres. Décollage, piste 0 dur, Charlie.
Ok, ça tourne toujours. À gauche de D'accord, ok, toi tu fais ça comme ça, puis après tu vas à la droite en visant Ferrières, c'est ça le point? Moi j'ai plus le final de rue dure au complet. Moi j'aime bien faire le tour pendant la fin de l'heure. Et sans de rue dure autorisé. Je vais faire le tour de rue dure. Autorisé, attention, je vais faire Hôtel Sierra en vente arrière pour un toucher sur la 08 Gazanet. Hôtel Sierra numéro 4, le précédent Robin en base. Rappel final 08 Gazanet. Rappel final 08 Gazanet, Hôtel Sierra. Ça doit être Fontenay, Trézy. Non, c'est plus loin, Fontenay. Nissan Bianchi, la tour, bonjour, à niveau 08, tirez, attendez. Fox, Nissan Bianchi, chemin de pied, je maintiens. Il est où l'autoroute? Au niveau des hangars? Bah là, on est sur la A4, la gauche. Santo Goscar, en fin de 08 Gazonnet pour un... Non, mais là, on va sur Fontenay, là-bas. Santo Goscar, piste 08 Gazonnet, autorisé de coucher dans 0,40 degrés, 7 nœuds, 1,9 au départ de la dure, tour de piste. Autorisé de toucher, 08 Gazonnet, bien reçu pour le TV9 au départ de la 8. Nissan Bianchi, piste 08, dure, autorisé décollage, 0,40 degrés, 7 nœuds. Qui autorise les décollages? Pas de visuel. Ah, je suis perdu moi, on est où? Non, mais t'inquiète. Tu vises le hangar sur la droite. Victor Golf, final 08. Tu tires à gauche, vise à droite. Victor Golf, continue l'approche, puis t'occuper, je rappelle en course. Tu enroules comme ça. Victor Golf, on continue. Victor Golf, qui se 08, c'est dur, autorisé, atterrissage 0,40 degrés, 7. Victor Golf, autorisé, atterrissage 08. Ah ouais, reste sur la ligne de chemin de fer. Maintiens-la sur ta gauche, elle te ramène à la maison. Donc là, on a les hangars qui mènent à Fontenay-Trézy-Lille. Ok. Et moi, bon, je sais encore perdre, je sais pas où je suis. Ah bon? Bah, je te dis, à ta gauche, je sais pas comment ça s'appelle, la ville. À droite, t'as Fontenay-Trézy-Lille. Ok. Peter Charlie, numéro 2, le président, c'est en bas pour un gazonné, rappelé final 0 dur. Je rappelle final 0 dur, Peter Charlie. Voilà, on est à 3 minutes 42 d'écho. Reste à droite quand même. Fox Mike Charlie, la tour, à niveau 0 dur, et attendez. Ah, c'est comme tu veux après. Je m'aligne 08 dur, j'attends. Si tu restes sur une de chemin de fer, il te ramène direct sur l'autoroute. Tu peux pas te perdre. Là par contre, j'ai plus de visuel, je sais pas. Là-bas, ça va être Villeneuve-le-Comte. En fait, tout à l'heure, quand je te parlais, il se disait que c'était mon circuit de retour, celui que j'aime bien faire. Hôtel Sierra en finale, 08 Gazonnet. Hôtel Sierra, piste 08 Gazonnet, autorisé toucher vers 0,40 degrés 9 nœuds. On touche 08 Gazonnet, Hôtel Sierra. Ils sont Bianchi, la tour? Ils sont Bianchi, on se reporte en débutant arrière pour un toucher sur la 08 Gazonnet. Nissanki, vous êtes allé beaucoup trop loin dans la montée initiale. Hein. Pour info, il y a un Robin solo dans votre travers gauche qui lui a pris le publié correct. Bien reçu, Nissanki, qui on surveille. Tango Oscar, pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour éviter hein? Bah, logiquement, il passe devant vous là, donc vous le suivez, il est un peu rallongé, excusez-le, et rappelez en rentrant arrière derrière lui. Ok, bien reçu, je vais essayer de ralentir. Merci, Tango Oscar. De toute manière, il y a les deux pistes, hein, donc pas de problème, maintenez votre voilà, vitesse vois, normale. La ligne de chemin de fer et l'autoroute. Bien, c'est Tango Oscar. Non, le lâcher de chez nous. Là, on est où? Là, on est pas loin de Villeneuve-le-Comte. Et donc, ils sont bien pour le prochain tour, faites un circuit correct. Non, c'est route métique 120, après mille montées initiales, c'est route plein est pour le vent tercier vertical de haute tension. Ça doit être ce qu'on voit. Bien reçu, Mike Charlie, piste 08 dur, autorisé décollage en 0,40 degrés 8 nœuds, Cessna, montée initiale, gazon et tour de piste. Oui, visuel autorisé décollage 08 dur, Mike Charlie. Allô, on est de notre entraînement, bonjour. Nombrinard, bonjour, 3730, appel écho. 3730, appel écho. Voilà. Non, regarde, t'avais l'autoroute à 4, elle est là. Donc tu vises le bâtiment, tu vires à gauche, sur la... Tu vises l'antérieur, ça sera pour un toucher sur la case aussi. Uniforme Bianchi, numéro 2, le précédent dernier virage pour la dure, appelé final 08 Gazonnet. Numéro 2, rappelons final 08 Gazonnet, Fox, uniforme Bianchi.
terminal 08 Dur, Super Charlie. Super Charlie, piste 08 Dur, autorisé atterrissage en 0,30 degrés, 8 à 12. Atterrissage, piste 08 Dur, Super Charlie. Tango Oscar, numéro 3, le précédent, le TB9, devant vous pour la gazonnée, rappel final 08 Dur. Tango Oscar, je rappelle final 08 Dur, numéro 3. Ça vous convient la Dur ou vous préférez la gazonnée pour toutes votre séance? Non, non, c'est très bien, je vais alterner l'une et l'autre. Merci beaucoup, Franck Tango Oscar. Non, c'est un élément en solo. Ah, c'était en solo, d'accord. Il va alterner, c'est génial. Un petit colo, il a raison. Bon ben voilà, on a écho là-bas. Pas d'appareil en visuel. Bah, il nous a rien dit, hein, de toute façon. Ok, et moi je vais demander la gazonnée. Ouais. J'aime la gazonnée aussi. En finale, la vitesse de finale, en finale 68. 68. Ah, c'est ce qui est écrit sur la check. Hein. Ok. Ben, 65, on est encore bon, en principe. De mémoire, c'est 65. Avec 68. Ah, d'accord. C'est cool de voler, Yoann. Lone Tour du Fox Golf Kilo Québec Charlie, rebonjour. Québec Charlie, Lone rebonjour. 37-31 au transpondeur, appelez Echo. 37-31 transpondeur et je rappelle Echo, Fox Québec Charlie. Là, il y a une espèce de... Ah bah oui, c'est Bussy Saint-Georges, là. Novembre Echo, la Tour, bonjour. À niveau 0, dur et attendez. Fox, Novembre Echo, je m'aligne, j'attends. Ah ben voilà. Non, Echo, piste 0 dur, autorisé décollage, vent 0,50 degrés 12. Fox, non, Echo, je m'aligne, je décolle. Fox, c'est l'informion qui est au final accès gazonné. Echo. L'informion qui piste 0 gazonné, autorisé toucher 0,50 degrés 8 à 12. Autorisé au toucher, Fox, c'est l'informion qui. Echo, non, rempli. Bon, il m'a rappelé, vent terme gauche 0,8. Je rappelle les deux portes arrière 0,8. Plutôt Cessna en 50 arrière pour toucher en 08 gazonné. Avec un Robin sud de Disney vertical autoroute pour Echo. Fox Mike Charlie la tour. Oui, Mike Charlie 5. 7 minutes transpondeur quitté avec un Robin 10h vertical autoroute Mondo Nautique pour Echo 200 pieds. Oui, bien pris pour le trafic transpondeur 7000 Mike Charlie à tout à l'heure. Québec Charlie, travers gauche, nautique 5, vers Disney 300 pieds haut, PM28. Reçu information trafic, c'est pas visuel, Fox, Québec Charlie. Tango Oscar, piste 08 dur, autorisé toucher, le vent 0,60 degrés 12. Autorisé toucher, piste 08 dur, Fox Tango Oscar. Vers le nord, c'est crassouillot, on a bien fait d'aller au sud. Le Sierra, rappelé final 08 gazonné. En fait. 08 gazonné, hôtel Sierra. Et un grand volet, la pompe en réchauffe on. L'instrument sans vapeur. ADB vente arrière 08 pour la gazonnée, s'il vous plaît, novembre Lima. On suit Fox novembre Lima avec numéro 2, le précédent, un Cessna en base, rappel final 08 gazonnée. Je rappelle en finale 08 gazonnée, novembre Lima. Fox Uniforme Bianchi, trafic Robin Paseco pour la vente arrière. Bien reçu Fox Uniforme Bianchi, on surveille. Québec Charlie, entrée, rappelez vent terme à gauche 08, trafic TB9 monté, initial, tour de piste. Reçu information trafic pour le TB9, je rappelle en vent arrière 08, main gauche, Fox Québec Charlie. Fox Novembre Echo, transpondeur 7000 quitté à tout à l'heure. Fox Novembre Echo, 7000 au transpondeur, à tout à l'heure. Bon, pas de visuel sur lui, il doit être quelque part dans la forêt. Dans la forêt. Hôtel Sierra, en finale 08 gazonné. Hôtel Sierra, piste 08 gazonné, autorisé toucher vent 0,60 degrés 6 nœuds. On touche 08 gazonné, Hôtel Sierra. Ah, visuel, il est derrière l'aile, à gauche, évidemment. Une histoire Bianchi visuel sur le Robin qui vous précède à l'avant arrière.
Prends la visuelle, je suis sur Yankee. On va ralentir, uniforme Yankee. Donc Québec Charlie, TB9 annoncé sur le travers gauche, hein, sera derrière vous dans l'avant-arrière. Oui, j'ai visuel, Fox et Québec Charlie. Génial. Joyeux tour de Fox, Romain Victor, bonjour. Romain Victor, bonjour, 37-30, rappelé Echo approchant la verticale avec un Robin midi, moins de 2 nautiques, 500 pieds route, inverse. Bien reçu pour le trafic, noté 37-30, transpondeur. Vous souhaitez une arrivée Echo ou via la verticale? Je souhaiterais arriver Echo ou Fox Romain Victor. Bien, rappelez Echo. Rappel Echo, Fox Romain Victor. Le trafic annoncé est croisé à présent. J'ai visuel, Fox Romain Victor. Uniforme Yankee, on est en début de vent arrière, on surveille le précédent, ce sera pour un toucher sur la gazonnée. Uniforme Yankee numéro 3, il prendra la dure, rappelez-le, les oreilles de se gazonner, et un trafic hélicoptère qui approche le fin de vent arrière depuis Paris en route inverse, 300 pieds haut. Bien reçu, uniforme Yankee, on va être obligé de doubler le Robin là. Tu. Line CB54, bonjour. Yes. CB54, bonjour, plusieurs trafics dans la vente arrière, deux travers tours et un début de vente arrière, 300 pieds bas, je vous écoute. 54 reçu, on ouvre l'œil, on est au départ de Moulineau, destination Nancy Essay, 3 personnes à bord, 70-15. Tu transites des 1500 pieds au nord de l'autoroute, 1022, les 08 en service, rappelez pour quitter. Merci, réduit. 08 en service, on transite au nord de l'autoroute, on rappelle pour quitter, CB54. 68. Ombre Lima, piste 08 gazonné, autorisé atterrissage, 020 degrés 10-2. Autorisé atterrissage, donc Québec Charlie, comme vous avez pu le constater, le TB9 vous a dépassé, il prend la gazonnée, rappelez final 0 dur. Effectivement, je rappelle en final 08 dur, Québec Charlie. Québec Charlie également, un hélicoptère va passer au nord de l'avant arrière 1500 pieds vers l'est. Visuel sur SAMU 54, Fox Québec Charlie. Donc SAMU 54, deux appareils hein, en parallèle quasiment sur notre travers droite, 1200 pieds. Excellent. 54, on a visuel sur le premier en croise. Et il y a un troisième qui passe au travers tour. Reçu, ça fait 54. Victor Normand, voilà tour, bonjour, Alignez-vous 08 dur, autorisé décollage en nord 6 à 14 nœuds. Alignez-vous 08, Fox Victor Normand, autorisé décollage. Tango Oscar, fin de vent arrière pour un toucher sur la gazonnée si possible. Tango Oscar pour info, un hélicoptère va courir sur votre droite, légèrement au nord de l'autoroute, un peu plus haut, vous êtes numéro 3, rappel final 0 de gazonnée. Bien reçu, j'ai le visuel sur l'hélicoptère, je suis numéro 3, sur la gazonnée, fin de Tango Oscar. Sauf un vecteur, j'ai arrivé à l'écho. Bon Victor, rappel ventaire main gauche 08 avec un hélicoptère travers tour, route est 1500 pieds. Bien reçu pour le trafic, je vous rappellerai ventaire 08, sauf un vecteur. 54, donc un Cessna à présent, début de vent arrière 1200 pieds et derrière il y aura un PA28, 1200 pieds vers vent arrière. 54, on a visuel sur le Cessna. Hôtel Ciel. Le Nassol de Fox Novembre Lima, rebonjour, on a dégagé la 26 gazonnée pour cette ligne. Novembre Lima, roulez par la droite, rappelez avant novembre. Je pars à droite et je rappelle d'avant novembre. Novembre Lima. Taxi, oui, novembre, novembre, Lima. Non, Lima, poursuivez, quittez à Sali, bonne journée. Merci, monsieur, bonne journée. Olé. Il y a des formes deux fois, je suis prêt. Des formes deux fois, maintenez le point d'attente, veillez la tour sans DG6. Point d'attente sans DG6, c'est des formes deux fois. Ça passe. Ça passe, ça. Donc on le laissera, bah, à la rigueur tu peux faire un demi-tour là. Il y a quelqu'un qui va le prendre après. Il y a quelqu'un qui le prend à 15h. Ça passe. Ouais, c'est bon. Quel. Voilà, allez hop là. On le repositionnera nickel après. Allez, go. Bon maintenant on met la marche arrière. Hein. Transport.
position, Y, Y, Y. Arrête de donner dans l'axe frein de parc. C'est refrain. C'est impeccable, monsieur Johan. Bon, très bien. Donc, ah, il s'est arrêté tout seul, hein. Ah ouais, ça fait un petit moment qu'il est arrêté. Donc sur ce, eh ben c'était un excellent vol. À la prochaine, dans pas longtemps d'ailleurs. Dans pas très longtemps, hein. Ouais. Quand ? À quand ?